Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que oui, aujourd'hui on se retrouve pour un haul action. Alors je vous avoue, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis malade, hein, je galère. J'essaie de rafistoler un peu tout ça parce que j'ai passé une très mauvaise matinée. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Avant de commencer, parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je sais pas, je sais plus. Sur mon compte Instagram, il y a un concours pour gagner un aspirateur, des palettes et pas mal de pépites, des produits de marque et tout ça, pour les 30K, pour Noël. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, ce concours se passe là-bas. Et bien sûr, comme d'hab, avant de commencer, t'hésites pas, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu me fais plaisir et c'est gratuit. Alors merci beaucoup. Bon, ce haul ne sera pas immense. J'ai même pas pris de panier en rentrant. Elle m'a dit, tu vois, t'es ressorti encore avec un panier. Je n'y peux rien. Action, quoi. Il y a plein de nouveautés, plein de trucs. Alors, bien sûr, Free From Desire. Eh oui, les bleus ont gagné. Donc là, on va être en finale. Donc je pense que quand vous verrez cette vidéo, on saura déjà qui c'est qui a gagné. Ça sera peut-être pas nous, je ne sais pas. Mais bon, voilà, j'ai acheté des petits trucs spécial bleus. Les gamins, ils aiment bien. On a regardé le foot. Moi, j'ai connu la Coupe du Monde 98. Et voilà, cette ambiance-là, on adore, même si c'était mieux en 98. J'avoue, c'était pas du tout pareil. Et donc, j'ai pris cette perruque. Alors, attendez, c'est la perruque. Là, je pourrais peut-être pas la mettre. Tu la mets comme ça. Voilà. Tu vois, on dirait un coq. Voilà, petite perruque sympatoche juste pour le fun, et après on la remettra dans les cartons pour dans 4 ans. Dans 2 ans, il y a l'euro, donc peut-être dans 2 ans. Allez, je continue, j'ai pris ça, donc c'est pour offrir aux maîtresses. Alors, je ne sais pas si vous le faites, moi j'achète des petits chocolats aux maîtresses et aux AVS de mes enfants. Maintenant, on ne dit plus AVS, avant c'était auxiliaire de vie scolaire, maintenant ça change de nom. Ils nous changent de nom, mais les pauvres, elles galèrent toujours autant, elles sont autant payées la misère, voilà. Donc moi, je leur achète des petits chocolats. Parce qu'elle est de Eden, voilà. Donc, c'est pas grand chose, mais voilà. Et pour la maîtresse, donc, je vais lui mettre dedans. Bon, parce que j'ai pas trouvé, il y avait que des Happy Birthday. Bon, après, cette saison, ça fait nouvel an, et puis elle pourra le réutiliser. Puis c'est mignon, quoi. Il y a des petits confettis dedans. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté ça. C'est pas pour Léna. Léna, elle a dit, j'aurais kiffé avoir ça quand j'étais petite. Donc, c'est un kit d'aspiration de ménage, parce que vous savez très bien que les petits-enfants adorent faire la même chose que les mamans. Et ben, voilà. Donc, un kit de nettoyage pour les enfants. Et je crois qu'il n'était pas trop cher, 7 euros et quelques. Ensuite, on continue. J'ai acheté des petites cartes de Noël. Regardez comment c'est trop mignon. Alors, ils disent que dedans, normalement, il y en a 5. Oui, ah, c'est tous les mêmes. Mais je les trouvais trop mignons. Donc, moi, j'envoie des cartes. Je suis à l'ancienne, moi. J'envoie des petites cartes de vœux à mes grands-parents et à mon arrière-grand-mère, voilà. Souvent, c'est plus aux personnes âgées, j'avoue. Mais je trouve ça tellement mieux qu'un SMS, quoi. Meilleur vœu. Ouais. Un SMS, c'est tellement fade que là, une petite carte de vœux, je trouve ça tellement plus mignon. Et puis c'est... Je sais pas. Moi, je suis à l'ancienne. J'adore écrire des lettres et j'adore envoyer mes vœux par carte. Donc voilà, petit coffret de 5 et c'était pas excessif. Ensuite, on continue dans les bleus. Bon, j'ai pris ça comme ça, mais des petits gobelets bleu, blanc, rouge. Voilà. Il y avait plein de trucs. Hein. Il y avait des pyjamas, des vestes, des drapeaux. Bref, voilà, si vous cherchez, vous pouvez y aller. Quoique non, vous verrez cette vidéo, ça sera fini, donc ça sert à rien. Ensuite, j'ai pris pour Léna et moi de l'eau micellaire comme ça. J'adore l'eau micellaire et je la prends tout le temps action. Donc là, c'est l'eau micellaire avec de l'acide hyaluronique et l'aloe vera. Nettoie, démaquille et repulpe la peau. Le garnier là, je ne l'ai jamais testé. J'ai testé le Alvira, je crois qu'il s'appelle comme ça, le rose, que j'aime bien. Et il y en a un autre d'une marque, il est très bien aussi. Mais là, je voulais tester celui-ci. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire s'il est bien ou pas. Ensuite, j'ai pris du gel douche, comme ça, à la pêche. Alors, j'en ai senti plusieurs, et avec celui-là qui me plaisait. Ouais, ils sont très bons. Donc 99% machin, bon bref, c'est un gel douche à la pêche, ça sent très bon. Alors j'ai un souci, j'ai attrapé des plaques tout en dessous du cou, mais je pense que j'ai attrapé une réaction allergique à cause des colorations, chose que je fais depuis des années, mais là je sais pas, j'ai des démangeaisons et tout, donc j'ai pris du Head & Shoulders. Alors je sais que c'est pour les pellicules, mais peut-être que ça peut soulager un peu ces douleurs au niveau du cuir chevelu, parce que c'est un peu comme une piqûre moustique, plus tu grattes, plus ça gratte, c'est horrible. Donc voilà, petit shampoing, oh, Head & Shoulders. Ensuite, bon, ça, j'ai pris des trucs en carton, mais bon, on s'en fout. Les petits gourmets comme ça pour Marie. Alors, j'aime bien, sauf que je trouve que les petits, c'est des petits sachets. Un, en 2 secondes à la fini, il faudrait presque lui en mettre 2. Mais bon, c'est juste pour de temps en temps lui donner une petite récompense, une petite friandise. Et ça, c'est très très bon, elle se régale avec. Bon, j'ai été coupée parce que je n'ai plus place dans mon téléphone. Le Ultra Doula. Oh putain, ça va aller. C'est horrible. Quand on est malade, c'est pas terrible. Hein. Il est comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'il est épais. Vous voyez, certains masques d'action sont pas chers, mais c'est tellement de la flotte que ça tient pas bien sur le cheveu, ça en met partout et ça se
Ça s'utilise très vite. Là, vous voyez, il est épais. Il sent bon, il sent très bon. Ça à l'olive et cheveux desséchés et sensibles. Donc voilà, il est très bien celui-ci. Allez, je continue. Des gommes pour les enfants, parce que bah, j'ai déjà expliqué, je crois qu'ils les mangent les gommes. Mais j'en ai acheté il n'y a pas longtemps, je l'ai dit dans un haul nose. Il a mis où la gomme? J'en ai racheté là, bon bref, c'est rien. Je me suis pris une petite brosse à dents curly, voilà, rose et noire. Que la mienne, bah voilà, elle est foutue, hein, comme toutes les brosses à dents, ça s'use. J'ai pris des masques peel-off. Non, alors ceux qui sont là depuis très très longtemps savent que je déteste les masques peel-off. Beaucoup adorent, hein, mais moi j'ai du duvet, hein, c'est ça le problème. Donc ça, je mets ça dans mes colis Vinted pour vous dire merci de m'avoir, d'être passé sur mon compte Vinted. Donc je vous mets des petits masques. Parfois c'est d'autres masques, hein, mais là j'ai pris ça. C'est un lot de 4. J'ai pris de la mayonnaise, Hens. Pourquoi? Parce qu'on va arriver à Noël et Nouvel An, et Noël et Nouvel An, il y a des crevettes. Donc voilà, j'ai dit la haine, c'est la meilleure, voilà. Et bah, j'ai pris ça pour les fêtes, quoi. Même si j'en mange pas trop, mais c'est vrai que pour moi, les crevettes, j'adore les manger avec de la mayo. Je referai du sport, promis, promis, promis. Et bien, ouais, tout ce qui est fruits de mer et bulots aussi, voilà. Dites-moi si vous mangez des bulots, des crevettes, des escargots. Bon, les escargots, je les mange pas avec ça, hein. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous appréciez ces choses-là. Faire un bon repas de Noël, un bon repas de réveillon. Moi, j'adore. Ensuite, j'ai pris ça pour Noam. Une bombe de bain de Nemo, j'en ai pris qu'une parce que c'est 1 € et puis bon voilà, c'est juste pour le fun. Ensuite, ah bah attendez, j'ai pris ça. Du truc bleu, blanc, rouge pour mettre aux enfants dimanche. Donc voilà, puis ça, bah, je mettrai dans un placard et voilà. Mais c'est un incontournable et parfois ça coûte super cher en magasin et là, Action, ils sont pas chers du tout. J'ai pris du Colgate fraîche. Alors j'espère qu'il est bon celui-là parce qu'il y en a qui sont vraiment dégueux en Oral-B. Je vous ai dit du Colgate, c'est du Oral-B. Bon bref, Priscilla, elle n'est pas au meilleur savoir, m'a dit de la merde. Donc ouais, en Oral-B, parfois, c'est pas top. Donc j'espère que celui-là, il sera bon et frais. Et on a toujours ce magnifique sac Action. Hein, on adore avec le Père Noël et les lutins. Donc voilà, ce haul est fini. Certes, il n'est pas très grand, il n'y a pas énormément de nouveautés. Après, j'aurais pu acheter plein de choses, mais voilà, comme tout le monde, on fait attention un peu à son porte-monnaie quand même, sachant que le repas de Noël et Nouvel An, il a à prévoir. C'est quand même une source de stress. Hein. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais de se dire, est-ce que j'aurai le budget? On sait que cette année, ça va être encore plus cher. Le prix du kilo et de crevettes, il va être à combien? Ton gigot d'agneau, si t'en fais, c'est pareil. Bon, bref, ça, moi, perso, je suis tellement une nana qui est anxieuse pour rien que ça me stresse. Donc voilà, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner comme d'habitude. La meuf, elle parle vite parce qu'elle est pressée, elle a rendez-vous à l'école de Noam pour la fête de Noël. Quoi, il va vendre ses petites décorations de Noël qu'il a fabriquées, puis on vend des crêpes et machin. Donc voilà, il faut que j'aille voir mes enfants. Donc on se retrouve à une prochaine vidéo. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et d'ici là, prenez soin de vous, ciao !